Les mois et les années passent, pourtant ma petite paillette continue de parcourir mes pensées quotidiennement. Elle fait partie de ces chevaux qui marquent, de ces êtres qui vous font l'effet d'un rayon de soleil. Je connaissais cette petite princesse depuis 2014, mais notre histoire a vraiment débuté en mars 2015, lorsque sa propriétaire Mélanie m'a proposé de la travailler quand je voulais. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais elle a senti que ça collait entre sa ponette et moi. Payette avait alors 18 ans et était en pré-retraite. Nous avons commencé les balades en main, la liberté et le travail à pied. Elle m'impressionnait par sa volonté et son énergie. Chaque vendredi, je rejoignais donc Payette et chaque vendredi, elle me vendait du rêve. Je n'ai jamais vu un équidé aussi avide d'apprendre et qui comprenait aussi vite. C'était même parfois problématique. Payette atteignait parfois l'objectif que j'avais fixé sur plusieurs séances en une dizaine de minutes seulement. Chaque séance était un pur bonheur, elle se donnait à fond à chaque fois. Et moi, j'essayais d'être à la hauteur de tout ce qu'elle m'offrait. Tout cela a pris fin quand Payette est partie dans un grand pré pour couler la retraite qu'elle méritait, le 26 octobre 2015. Sa boucle d'amour me manque, mais je suis heureuse de savoir qu'elle est bien là où elle est. Je n'oublierai jamais tout ce que Payette a su me donner, pas plus que je n'oublierai Mélanie, son adorable propriétaire, qui m'a donné la chance de côtoyer sa princesse et qui continue de m'en donner des nouvelles. Merci à elles deux pour leur générosité. La relation que j'avais avec Payette m'a marquée. Nous n'avions pas une complicité extraordinaire, nous n'avons rien fait d'incroyable et on ne s'est pas fait mutuellement progresser. Mais les choses n'ont pas toujours besoin d'être grandioses ou de vous faire changer pour compter. Alors à toi, petite bouille d'amour qui m'a tant de fois impressionnée et attendrie, je te dis merci pour cette belle parenthèse de vie.